Salut à tous, on est mardi, c'est le vote du jour. Il y a deux parties sur le vote du jour. Une première partie, 3 rounds for time de 15 dumbbell snatch. Donc avec votre dumbbell, c'est des snatchs en alterné. Je vais vous remontrer les mouvements. 10 burpees over the dumbbell, si vous pouvez vous le permettre. Si on n'a pas trop de place chez soi et qu'on ne peut pas faire over the dumbbell, vous faites les burpees sur place, c'est pas grave. Et on finit avec 5 goblet squats. Vous avez de la chance, il n'y a pas beaucoup de squats aujourd'hui. L'idée, ça sera de faire ça le plus vite possible. Donc on fait 15-10-5, 15-10-5, 15-10-5. Une fois que vous avez terminé ça, 2 minutes de récup. Et alors la partie 2, c'est on fait un redo de la partie 1. Donc en gros, vous aurez 6 rounds au total. C'est juste qu'entre vos 3 premiers rounds et les 3 derniers, vous aurez 2 minutes de récup. D'accord ? Pour le score total sera le temps que vous aurez mis à faire vos 6 rounds plus les 2 minutes de récup. Donc voilà, vous avez compris le truc. 15 dumbbell snatch. Donc dumbbell snatch, pour rappel, cette fois-ci, c'est des snatchs complets, donc des ports du sol à chaque fois. Jamais la dumbbell au-dessus de la tête. Et je change de main ici à la descente pour pouvoir alterner. Donc là, je suis 3 reps, puis 4, etc. On finit. On continue avec les 15 burpees over, les 10 burpees over dumbbell. Et sinon, après, les 3, troisième mouvement, c'est les goblet squats. D'accord, vous avez l'habitude. Pour la partie échauffement, après, on fait un petit peu de mobilité générale, comme d'habitude, hein, 5 à 10 minutes. On passera sur 3 rounds for quality. Alors, quality, c'est quoi? C'est, il faut quand même que ça aille vite parce que ça va vous permettre de vous échauffer. Mais le but, c'est de faire tous ces mouvements-là propres techniquement, d'accord? Très bien exécuté. On commence avec 10 jumping jack squats. Je vous l'ai fait il n'y a pas longtemps, ça. C'est un jumping jack sur lequel vous allez finir en squat complet. D'accord? Donc on part en bas. C'est pied écarté, pied serré, squat. Là. Ok? D'accord. Super. 10 reverse lunges, c'est fente arrière. D'accord? Fente arrière, toujours même chose. En alterné ici. C'est toujours, c'est tout au poids du corps. Et on finit avec 5 inchoirs. Inchoirs, vous connaissez, jambes tendues, on descend. Ici, on vient se retrouver en position de pompe. Et une fois que vous avez fait ça, on remonte. Donc ça, ça fait 1, il faut en faire 5. 10, 10, 5, 10, 10, 5, 10, 10, 5, terminé. Deuxième partie de l'échauffement, on sera ici sur un round 4 time. Donc à faire, enfin 2 rounds 4 time à faire assez rapidement. Des down-up, donc le burpee sans la pompe, sans le saut. Ok. Des clean and jerk avec la dumbbell. Donc épaulé et jeté, toujours même chose en alterné. Et on fait des squat jumps. Donc là, c'est des air squats. Je fais mon squat et je finis. Extension complète en sautant. Ok, 2 tours. Une fois que vous aurez fait ça, on va tester un des rounds du WOD. Donc pour aujourd'hui, vous aurez 7 rounds effectués au total, puisqu'il y en a 6 pendant le WOD, mais un 7ème que vous aurez fait à l'échauffement. C'est 15 dumbbell snatch, 10 burpees over the, bar, the dumbbell et 5 goblet squats. Voilà, tout simplement. Et du coup, vous faites ça le plus rapidement possible et on essaiera de tenir ce rythme-là pour le WOD du jour. Donc voilà, je vous embrasse, bonne journée. Ciao.